Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons tricoter cette jolie petite robe. Pour tricoter ce modèle, nous aurons besoin d'une paire d'aiguilles numéro 2 et là, de la laine fine Orient de cheval blanc convient très bien. Pour commencer ce modèle, nous allons monter 60 mailles. Donc, 1, 2, 3, 57, 58, 59 et 60. Et on va poursuivre en tricotant 7 rangs de points mousse. Alors le point mousse, ce sont des mailles tout à l'endroit. Donc on va faire ça pendant 7 rangs. Maintenant, on va faire les emmanchures. Donc 9 mailles à l'endroit, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rabattre 12 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 mailles à l'endroit, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On crée l'autre manche, donc on en tricote 2 et on passe la première sur la deuxième. Donc 12 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 et les 9 mailles suivantes à l'endroit. Donc 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va commencer le point fantaisie. Vous allez voir, il est tout simple. Donc, on commence par une maille à l'endroit. On passe le fil devant, tout simplement. Et on va tricoter 2 mailles à l'endroit. Alors, on ne serre pas trop, hein, on tricote souplement. 1, 2. Et on va passer ce jeté sur les 2 mailles tricotées. Voilà ce qui va vous donner le petit trait. Donc, on continue. Je me suis trompée, donc voilà, un jeté, on passe devant,
tout simplement 2 mailles à l'endroit et on passe le jeté sur les 2 mailles tricotées. Un jeté, 2 mailles à l'endroit et on passe le jeté sur les 2 mailles tricotées. Vous voyez, en tricotant souplement, c'est beaucoup plus facile. Donc, vous passez le fil devant, ce qui va créer le jeté. Vous tricotez 2 mailles à l'endroit et on passe le jeté sur les 2 mailles tricotées. Un jeté, 2 mailles à l'endroit et on passe le jeté sur les 2 mailles tricotées. Un jeté, 2 mailles à l'endroit et on passe le jeté sur les 2 mailles tricotées. Et on termine le rang par une maille à l'endroit. Deuxième rang, eh ben, toutes les mailles se tricotent à l'envers. Donc vous voyez, c'est un petit point qui se tricote sur 2 rangs, tout facile. Voilà, tout à l'envers. Donc vous allez tricoter ce petit point fantaisie sur 11 cm. Donc vous commencez votre rang par une maille en droit, un jeté, 2 mailles en droit, rabattre le jeté sur les 2 mailles tricotées et finir par une maille en droit. Deuxième rang, toutes les mailles se tricotent à l'envers pendant 11 cm. Nous avons nos 11 cm. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à arrêter les mailles. Donc, on arrête les mailles. On en tricote 2. Et on passe la première sur la deuxième. Et ainsi de suite jusqu'au bout du rang. Le tricot est terminé, donc on passe au montage. Donc on va coudre à peu près jusqu'à ce niveau-là. Ce qui nous donne exactement, je vais vous dire ça, 9 cm. Voilà, vous faites 9 cm de couture et on lui ajoutera un petit bouton pression à ce niveau-là. Ensuite, pour agrémenter cette petite robe, je vais lui coudre une petite ceinture avec des petites fleurs brillantes, ce qui va la rehausser. Donc pour coudre une petite ceinture comme ça, pour lui donner cet arrondi, vous enfilez la robe sur la poupée, comme ça vous tomberez vraiment bien au niveau de la taille et vous obtiendrez l'effet que vous souhaitez. Voilà, je vous la présente sur la poupée. Merci d'avoir regardé ce tuto, à bientôt pour une nouvelle vidéo.